Stas will come and take it now. It's so it goes separate. Okay. So here you also have like some extra shorts and extra jerseys. Okay. Two pairs of shorts, two pairs of jerseys. I think maybe the reserve one. Okay. Let's see. And socks. Socks. You cut them? Yeah. Cut, yes? Yeah, right. I cut. Stas will cut also for you. So this is training. Здравствуйте. Мужчина, я им объяснил, короче, вот два тренировочных комплекта. Да, давай проверим. Все уже проверено. If you don't get protection, you go in normal socks. This socks. Yes, this socks. То есть вот эти можно тренировки, да, использовать? This socks for yes, you can use them for training as well. So this kit is for today. Okay. This for tomorrow morning. Okay. So they will stay with you. Все? Да. It's okay. C'est ça. Okay. Thank you. Right. Mes deux premiers jours à Moscou, ils étaient vraiment bien, à la fois aussi très rapide. Ça a été très rapide, je suis arrivé en avion, je suis directement allé faire les tests. Voilà, donc c'était assez intense pour moi. Mais ça s'est bien passé, j'ai fait les tests. J'ai fait les tests de santé, tests physiques, tout s'est bien passé. Et voilà, et après le lendemain, j'ai fait quelques tests, quelques photos avec la communication. J'ai vu le stade, j'ai vu un peu la ville. Vraiment une belle ville, donc voilà. Moscou, je pense que c'est une très grande ville, de ce que j'ai vu, c'est une très grande ville. Beaucoup de diversité, de ce que j'ai vu. Et voilà, je suis impatient de découvrir un peu plus la ville, parce que j'ai fait que deux jours pour l'instant, et j'ai pas tout vu, donc... j'ai décidé de choisir Lokomotiv parce que... je sentais que c'était là où on était un peu plus intéressé pour que je vienne. Vraiment, j'ai senti vraiment beaucoup de confiance, beaucoup d'envie que je vienne. J'ai vu que c'était un grand club. J'ai vu que c'est un club qui joue les premiers rôles, le titre. Et c'est ça qui m'a excité dans l'envie de venir. Et puis de découvrir aussi une autre culture que je ne connais pas, la Russie. Découvrir la Russie aussi, c'était... Ça m'a plu, donc j'ai décidé de venir, voilà. Je ne connais pas très bien les joueurs de Lokomotiv, le nom. J'ai pas envie de dire de mal prononcé. Je connaissais des anciens joueurs, mais là, tout de suite, je connais pas. Zuba, Artem Zuba. Zuba, si, je connais. Sur le football russe, je sais pas énormément de choses, mais je connais un peu parce que... j'ai déjà joué contre des clubs russes plus jeunes. J'ai joué aussi en Champions League contre Krasnodar. J'ai déjà joué. Après, je sais qu'il y a d'autres grands clubs comme le Lokomotiv, le CSKA, Spartak, Samara, voilà, Zenit. Je connais les clubs russes par rapport aux Coupes d'Europe. C'est un très bon joueur. J'ai déjà joué contre lui plusieurs fois. Il joue à Monaco, c'est ça? Joueur de Monaco. Vraiment bon, vraiment bonne qualité de frappe, déplacement. Vraiment un bon joueur. Ouais. Mes points forts, je suis calme avec le ballon. Une bonne qualité de passe. Physique. Solide dans les duels. Et voilà. Le principal objectif pour la saison, c'est de pouvoir bien intégrer le groupe, pouvoir jouer, montrer tout ce dont je suis capable, montrer mes qualités pour pouvoir mettre mes qualités au profit du groupe, aller chercher le titre avec l'équipe.
Oui, on dit que je suis un rock parce que je suis costaud, je suis grand. Après, dans les duels, je suis dur, donc des fois on m'appelle comme ça. Now officially. No, come. Thank you. Moscovite. Moscovite. Спасибо. Send Pierre next time picture from Red Square. Hi, it's Jerzynan MC. I'm happy to be here. I'm looking forward to meet you at the stadium. See you soon. Bye. C'est sérieux, hein? Sensation, ça faisait un moment que j'avais pas joué, mais ça fait du bien de reprendre du rythme et surtout de gagner, commencer par une victoire. Et voilà, ça me fait plaisir aussi de pouvoir découvrir, de pouvoir jouer sous les couleurs du Lokomotiv et avec des coéquipiers qui jouent au ballon, donc on prend plaisir et je suis content pour un début, c'est très bien, je pense. Thank you.
Donc, c'est pas si bas.